Bienvenue sur O80 Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve sur Palworld, donc pour une petite vidéo, hein, tout simplement. Alors, on va parler des réparations des équipements et de ce qu'il va falloir avoir quand vous aurez des armes raffinées ou autres. Hein. Donc, on va voir tout réparer. Alors, ici, il nous faudra des lingots fermés, des lingots de métal, du bois de charpente, des lingots de métal raffinés, du cuir, de l'huile de palme de qualité, des pierres, éclat de palladium et du tissu de qualité. Hein. Donc voilà, donc là, hop, je vais tout réparer. Donc voilà, comment c'est ce qu'il faudra faire pour pouvoir tout réparer. Hein. Donc vous devrez lancer donc vos préparations hein, comme d'hab, et on va aller voir là où j'ai mis pour l'huile de qualité. Hein. Donc là, on est en version Farm plus, hein, je vous le dis tout de suite. Là, on est là, on va pas rigoler. Hein. Donc voilà, ça va vraiment être vraiment du plus. Donc voilà. Donc là, ici, pour l'instant, j'ai que ça. On y va. Alors, je vais présenter vite fait ma base. Hein. Donc en gros, voilà comment elle va se faire. Il y aura donc pour tout ce qui est travaux, donc les sphères, hein, pour que ça travaille plus vite. Ici, on va avoir donc pour ce qui est armes. Donc là, je suis en train de faire un fusil à un coup. Donc voilà. J'ai préparé mes munitions pour le fusil aussi. Donc voilà comment ça se prépare. Donc en gros, pendant que je fais ça, on va aller voir du côté de ma deuxième base. Alors ma deuxième base, elle est que temporaire, hein, et on va aller voir ça tout de suite. Donc voilà. Donc alors, ce que j'ai trouvé qui était assez bien, c'était cet endroit-ci. Hein, donc voilà. Donc vous pouvez regarder la localisation. C'est pour faire du charbon et aussi je ferme ma pierre et mon charbon. Alors la pierre, tout simplement, donc je vais expliquer vite fait. Je me suis mis une petite carrière de pierre ici, hein, donc voilà, tranquille. Voilà, on se la fait tranquille ici. J'en ai mis deux, hein, donc voilà. Donc on voit que ça travaille pas mal. Hein, voilà, 1500 et 1500, ça fait 3000 hein, de récupérer déjà. Ici, on va voir que j'ai mis. De toute façon, je vais faire voir en plus en détail. Donc j'ai mis cela. Qui sont très importants, hein, donc je vais vous parler de ma composition rapidement. Ici, petite base très rapide, hein, donc voilà. Donc là, on s'en fout, hein, c'est rustique, c'est vraiment fait à l'arrache. C'est juste pour pouvoir profiter des farms qu'on va avoir. Hein. Donc voilà, donc là, on va regarder ce qu'on récupère. Donc là, ici, j'avais déjà récupéré, donc on va récupérer de l'huile de palme de qualité, hein, donc voilà, grâce à mes mobs, à mes pales que je vais faire voir dans pas longtemps. Ici, on va récupérer de la pierre, hein, donc après, ils vont venir tout déposer, enfin bref, vous avez compris le machin. Et ici, normalement, ils déposent tout mon charbon, hein, et des pierres, enfin bref, et voilà. Et ils déposent aussi de l'huile de palme de qualité, hein, donc voilà, donc en gros, ils déposent dans deux endroits différents. Donc là, j'avais déjà récupéré, hein. Donc après, je vais vous faire voir la quantité que j'ai récupérée grâce à ça. Je vais vous faire voir ma compo. Alors, ma compo de petits pales. Alors, ici, lui, ça sera pour arroser tout ce qui est plantation et le minage. Lui, c'est le minage et le travail manuel. Lui, et lui, pareil, hein, voilà, on le met en minage. Les quatre, on les met en minage et pour arroser les plantes aussi. Et en ferme. Hein, donc voilà. Lui, il va nous faire l'huile de qualité. Hein. Donc voilà, donc on en a 4 pour accélérer les choses. Hein. Ici, pareil, minage, minage. Donc ici, pareil, encore du minage. Ici, encore du minage. Ici, je l'ai mis aussi en manuel. Donc manuel transport. Ici, pareil, manuel transport. Voilà un petit peu ma petite composition. Hein. Donc voilà. Donc il vous faudra au moins 4 Dumund, hein, voilà, que vous capturez tranquillement. Donc ça, c'est les prioritaires. Après, Lovender, pareil, prioritaire aussi, elle travaille bien. Et le pingouin, voilà, Pink King, il travaille bien aussi sur pas mal de fronts. Hein, donc voilà, c'est super sympa. Et donc là, maintenant, je vais aller me téléporter. Et on va aller voir un petit peu les quantités que j'ai récupérées. Donc en gros, j'en ai pas mal, hein, d'huile de qualité, tout ça. Donc là, on va voir. Parce qu'après, je mets toujours dans mes grands coffres. Hein, voilà. Je rapporte toujours à ma base principale. Hein, pour qu'on puisse travailler correctement. Donc là, ici, on voit bah, les pierres. Donc j'en ai pas mal quand même. Hein, donc ça fait pas longtemps que j'ai commencé mes pierres. Hein. Donc voilà, les pierres, mon charbon. On voit que j'ai en stock 480.
Hein, donc voilà, donc c'est plutôt pas mal. Ça fait pas longtemps non plus, hein, ça fait que 2 jours en jeu, en 2 jours en jour de Palworld, hein, pas en vrai jour. Hein. Donc voilà, donc 2 nuits que j'ai passées sur Palworld, j'ai eu ça à peu près. Hein. Donc voilà, et ici pour l'huile de qualité, on a voilà un montant qui a complètement explosé. J'en avais une centaine et là j'en ai gagné plus de 700 d'huile de qualité. Hein, donc voilà, donc c'est le farm avancé de l'huile de qualité de pal, hein, donc vraiment important. Et ici on voit un pareil là pour le minerai de métal. Alors comment j'ai fait, hein, donc je vous explique un peu tout mon farm. Donc ici on a pour la laine et pour les petites sphères de pal. Ici, j'ai mis une grande carrière de cuivre. Hein, donc voilà, c'est grâce à ça que je vais récupérer mon cuivre. Ici, j'ai mis 3 fourneaux. Donc un fourneau pour les lingots de métal raffiné. Et deux, un pour le charbon de bois et un pour le métal. Hein, comme ça va le plus vite. Ici, j'ai mis 2 cuisines parce que en fait, il faut que ça accélère. Ici, quand je regarde, ici, je mets toujours hein, tout ce qui est les tissus de qualité. Les clous, voilà. Donc ici, je mets toujours ces petites choses-là. Hein, donc voilà, donc simplement. Et ici, après ici, bon bah là, maintenant comme j'ai le tapis, je fais tout sur le tapis. Hein, donc voilà. Donc voilà un petit peu comment j'ai orienté ma petite base. Je vais vous faire voir aussi les pales que j'utilise sur ma base principale. Pareil, le bois, je farm ici. Voilà. On va voir la petite compo de pales. Alors ici. Moi j'ai un Leaf Monk hein, donc qui travaille bien, donc voilà. Ici, Digitoise, important, hein, il travaille très très bien, hein, 3 en minage. Donc très très bien le Digitoise hein, qu'on va trouver dans le petit désert qui est ici. Hein, donc voilà. Après, on continue. Donc après, lui Vixi, on ne le présente plus. Lui, c'est pour le feu, hein, donc voilà, tout simplement. Il y a 2 en feu. Pareil, après eux, ils vont travailler. Là, c'est pour la laine. Là, c'est pour le feu et le transport. Là, ici, c'est pour le travail manuel et le minage. Ici, c'est pareil, travaux manuels, transport, transport, manuel transport. Ici, c'est pour alimenter mon électricité de mes tapis roulants. Ici, pareil, lui, Mossandoi, il travaille bien. Pareil, un Panking travaille bien, très bien. Et le Digitoise, pareil, hein, c'est les deux qu'on va mettre en priorité minage. Et lui, il travaille bien aussi. Hein. Et elle, bah, je l'ai mis, et ça a l'air de bien fonctionner aussi. Donc voilà un petit peu pour mes compos. Voilà un peu comment je me suis organisé. Je vais faire juste. Hop, voilà. On va faire un petit. Donc, excuse-moi, le petit pal. Hein, je lui mets un coup d'âge. Voilà, ici on va bien se mettre au milieu et je vais justement m'envoler et voir un peu comment j'ai mis ma base. Hein, donc voilà, comment je l'ai orientée. Hein, donc voilà, tout simplement. Donc alors ici, on voit les petits tapis. Donc ici, avant, donc on a notre petite ferme. Hein, donc voilà, pour la bouffe. On a nos petits tapis qui sont ici. On a tous nos coffres. Comme ça, ils mettent tout à proximité dès que c'est terminé. Ici, pareil, hein, ils mettent tout à proximité quand ils en ont envie. Ici, tout mon farm centralisé, hein, j'ai centralisé toutes les activités des pales ici, et ici mon coffre. Et ici, après, je l'ai mis tout près de ma maison pour farmer mes œufs. Hein, donc voilà, tout simplement. Voilà un petit peu les choses que je voulais vous faire voir en choses plus avancées. Hein, donc voilà. Et donc cette vidéo, elle va comporter pouvoir réparer sa pioche en métal, notamment avoir plus de balles. Ça va aussi permettre de remettre votre flingue en bon état. Hein, donc voilà. Là pour l'instant, je prends le sous-vêtement des 4 saisons hein, que j'ai acheté avec les pièces canines. Et ici, l'anneau de manipulation pour augmenter mon XP parce que je vais plus tuer les pales et je combats tout seul. Hein. Donc voilà. Et ici, un petit pendentif défensif en attendant. Et après, ben, j'essaye d'avoir le dernier emplacement qui a 1000 à 1000 pièces canines. Hein. Donc voilà. Et donc là, pour clore la vidéo, comme je fais toujours, on va regarder les petits œufs. Qu'est-ce qu'on va avoir dedans? Oh, un Miaou Christ. Super. J'en avais pas un. Hein.
Cool. Donc alors ici ça me permet, oh pareil à Rendrix, ça me permet d'avoir des monstres que je n'ai pas pu que récupérer parce qu'ils sont haut level. Hein, les Rendrix, à savoir c'est entre 35 et 40, 43. Hein. Donc ils sont assez chauds à avoir. Donc là je suis très content. Encore un petit chat qui est né. Oh, un Vivern Christ. Oh, cool. Eh ben dis donc, on a une bonne pioche. Ah, un Kinitsune. Ah, c'est trop fort. Tout cela, je les ai pas. Ah, ça tue. Bon, lui, je l'ai. Ah, ça tue, franchement. C'est tous des monstres qui sont quand même assez haut level. Et là, je me les fais comme ça, niveau 1, tranquille. Pépère. Donc, n'hésitez pas à récupérer les œufs. Hein. C'est très rentable. Et oh, un deuxième Rendrix. Oh là 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 là. Et un petit Siamot que j'avais déjà. Donc, on va aller les découvrir vite fait. Hein. Et on va clore cette vidéo comme ceci, hein, bien sûr. En tout cas, j'espère que donc la vidéo bah, vous aura plu, vous aura aidé à voir un peu comment j'ai construit ma base. Tout simplement, hein, donc voilà. Allez, c'est parti, on va ouvrir notre petite boîte de pales. Et on va voir un peu nos nouveaux arrivants. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils font de beau hein. Alors, le Myocrist, ouais, bon, il fait pas grand-chose de bien. Mais bon, voilà. Si vous avez besoin de quelqu'un qui fait du gel ou qui travaille dans la ferme, alors peut-être que en le mettant dans la ferme, il y a quelque chose de bien qui va se produire. Je vais tester plus tard. Ici, on aura pour récolter du bois, pas mal, ok. Et les deux derniers. Alors lui, il fait quoi? Oh, le feu, parfait. Le feu, c'est parfait. Lui fait 2, ok. Lui fait quoi? Il fait 1 et transport. Et lui, il fait que 2 en feu. Ok, bah, je le mettrai peut-être au charbon, un de ces 4. Et ici, lui, il fait du gel et du transport. Ok, du gel et du transport. Bien. Ok, donc bah, voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo bah, vous aura plu, vous aura aidé. Et on va se retrouver pour de nouvelles aventures sur 80 Gaming. Et surtout, portez-vous bien, c'est super important. Et à la prochaine!